Jalanan. Jalanan. Mal que si tu tombes à grande vitesse. Tombe.
Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est bizarre. Il a dû réaccélérer, je pense. Mais tu sais, quand t'as un virage comme ça, il faut faire super gaffe. Il va retourner là-bas. Ah, mais le pauvre, il a obligé de faire tout le tour. Il y a un Nathan qui arrive, hein, les garçons. Ah, les pneus froids, hein, faut pas. Ouais, les pneus froids, faut pas jouer. Hein. En ligne droite, mais pas. Il y en a un qui arrive, celui qui est en. Attends. C'est qui est là-bas? Ah, Nico, t'as un attaque qui arrive. Ah, il y avait une trace de gasoil, à ce qui paraît. Oui, alors moi je l'ai signalé au rond-point parce que généralement extérieur, il y a toujours les voitures qui font le plein et ça déverse, il faut faire gaffe. Ah, bah, voilà. Alors s'il a roulé dessus, il a accéléré. Voilà, ça, c'est ça. Bah moi je l'ai signalé sur le côté. Bah en fin de compte, ça traînait dans l'huile et puis il est tombé. Ouais, je sais pas, il faut toujours regarder où vous roulez, quoi. Rien, c'est pas grave. Ouais, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui roule tous les jours. Ouais. Pourtant, avec un 1090, ouais, mais ça veut rien dire. On se dirait un mec, il est moteur. Non, mais ceux qui roulent tous les jours, on a l'habitude de. Enfin, plein de choses, quoi. Moi, j'ai fait 10 000 km en un mois, alors. Waouh. C'est pas un mec pour tous les jours, parce que de toute façon, tu freines dans un virage avec ton non, jamais. Ah non, tu freines pas dans un virage. Et pas de l'avant en tout cas, avec l'arrière, mais pas de l'avant. Et t'accélères en sortie de virage, t'accélères pas dans le virage. Enfin, Nico, t'as glissé un peu, tu vois. Mais bon, je vais nous faire réserve, hein, ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Non, mais pourquoi pas tourner? Sinon, c'est ça, c'est que tu connais pas parce que tu peux pas. Je savais pas que Goldwyn ça pouvait monter sur. Ça passe partout. Ouais, c'est fort quand même. Hein. C'est chiant à manœuvrer. Je pensais que c'est lourd quand même à basse vitesse. Ouais, à basse vitesse, c'est chiant à manœuvrer. Ouais. Mais une fois que c'est parti, ça passe partout. C'est la marche arrière, c'est sûr. Ouais, c'est ça qui est bien. T'as l'air dans le chien. C'est vrai que t'as peur. Mais sinon, tu la pousses pas. Hein. 400, 500 kilos. Ça, les motos comme ça, ça reste des. Tu vas partout avec. Je pensais que ça va passer partout. Arrière, je vais pas regarder les tutos que les mecs comment ils les manipulent et tout. Là, t'as que c'est rétro, c'est pareil. C'est moi qui ai mis. Ah, mais c'est bien. La marche arrière, il a recule. Ouais. Le mec, il tient le carénage devant, il a recule comme ça et tout. Je me rends compte, les tutos, il y en a pas si vous voulez. J'ai une moto, tu connais Olivier alors? Qui ça? Oh, j'ai une moto. Oui, parce que c'est à lui qui l'a acheté. Tu veux que tu l'as vendu? En fait, on a chaque fois que c'est petit mec, à chaque fois que tu déposes sa moto, ça arrive. Il passe sur moi la moto. Moi c'est Karim que je connais là-bas. Oui Karim c'est le SAV. Ouais. Ouais, ils sont super cool. Ils sont super cool. C'est ça que j'ai pas compris. J'arrive, je lui dis bon bah il me dit je peux vous renseigner, je te dis j'ai l'air là, je sais pas, j'ai dit j'ai peut-être changé. Je regarde la gueule. Je dis mec, Karim, tu vois. Il me dit bah tiens, il y a les clés, vas-y ma faire un essai. Là il y a un problème de moto actuellement. Laisse-moi les papiers, il me dit laisse-moi tes papiers, tu pars avec. J'ai essayé. Ouais, le problème c'est que essayer c'est l'adopter hein, ouais, en général. Ça roule bien, j'ai eu pendant 3 jours, parce que je change de monteur. C'est la chine. Je l'ai eu en DCF en 3 jours le motel 2021. Ah, c'est du bonheur. C'est lourd. C'est lourd. Ouais, mais moi je l'ai fait, c'est pour madame. Ouais, c'est ça. Je bouge tout le temps, week-end, l'été, je bouge partout. Tu peux mettre les petits. Elle est comme à la maison là. Ouais, c'est ça. Canapé. Là, elle est maintenant, elle prend le téléphone. Tu as une tablette dans ton cou. Justement, elle prend son téléphone, elle a un truc, elle le fixe et elle fait regarder la. Elle regarde ses cellules. Ah, c'est top. L'avantage, c'est pas beaucoup volé parce que c'est très très bien. C'est pas volé. Bah, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh la vache. Oh bah alors lui, il est encore pire. Attention, on va pas trop sur ma moto. Bah là, il faut continuer là. Oh putain, on a un mec qui passe avec la roue de côté là. Là, la roue elle est morte. Elle en peut plus. Ouais, retire le pneu peut-être. Non mais après, je sais pas plus. De toute façon, elle est pas possible. Elle est contente en plus. Elle est pas loin la voie ferrée, elle va sur les rails. Ah, j'aurais dû filmer. Genre.
C'est pas possible. Le mec se roule carrément sur la jambe. Tu vois là par contre, pour le coup, parce que là, tu sais que dans cette tournée, tu prends pas. Avant comment? Le pire des cas, je reste avec lui et vous y allez. Ouais, mais moi, je m'en fous. Il peut pas rerouler? Bah, il faut lui demander, mais on m'a dit d'avancer. Ah, ok, attends. Hey, quelqu'un peut demander là-haut s'il redémarre avec nous ou pas? Il reste. Il va bien, après moralement je sais pas. Je suis en train de lui demander, C'est pas pareil, tu me demandes un truc. Bah, tu peux pas démonter s'il va bien. Non, mais si pour lui, c'est lui qui va. Qui va... C'est le sang, il doit reprendre. Il reprend, c'est après, il faut pas qu'il s'arrête comme ça, il faut qu'il continue parce que sinon dans la tête après. Il faut repartir un petit moment après. Pour moi, je sais il est tombé sur une plaque d'huile ou je sais pas. Ouais. C'est possible, on est tous passés avec. Ouais, mais vous n'avez pas tous roulé dessus, peut-être les deux roues. Parce que moi, je suis même le pied, hein, j'ai mis le pied dessus. Ouais, c'est ce qu'il a dit quand j'ai entendu, mais je sais pas si j'étais sorti ou pas. J'ai appelé les flics pour qu'ils viennent. D'accord. Pour qu'ils viennent mettre du produit ou quoi. Ouais, il est en bas avec les filles et ils sont garés en double fil. On a eu un mec tout à l'heure, il avait la roue. Il était comme ça en train de faire ta, il roulait sur sa jante, il est passé à côté des motos, c'est cool qu'il allait nous tuer. Bon, voilà, il a dit qu'il continuait, je crois, hein, il a dit. Non ? Ouais, c'est bon, on va continuer. Ok. Bon, il continue avec nous, donc tout va bien. Ouais, mais je crois qu'il attend, que les trucs arrivent pour faire un contre-constat en fait. Ah ouais ? Ouais. Attends, il y a un truc qui a. Okay.
Et là, j'ai plus fan de la moto. Oh,
sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar, porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste si tú en ella ya no estás. Solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más. Que tú me das todo lo que llevas dentro, que fue lo mejor que nos separa. Que